Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, nous sommes rassemblés en ce lieu symbolique qui porte son nom pour nous souvenir de Caroline Aigle qui nous quittait il y a 15 ans. Caroline est née à Montauban le 12 septembre 1974. Après avoir vécu loin de la métropole au gré des affectations de son père, elle rejoint à 14 ans Saint-Cyr l'école pour ses premiers pas dans l'institution militaire. Elle se distingue déjà pour son goût de l'effort et engrange de nombreux titres sportifs. En 1992, elle rejoint le prestigieux Prytanée National Militaire pour y préparer le concours de l'école polytechnique, qu'elle intègre brillamment en 1994. C'est durant ces années de classe préparatoire qu'elle se prend de passion pour la troisième dimension. Après son service national et sa scolarité à l'école polytechnique, elle s'engage en 1997 dans l'armée de l'air, qui a ouvert depuis 2 ans la spécialité de pilote de chasse au personnel féminin. Elle intègre l'école de l'air directement en troisième année. Elle débute sa progression de pilote en volant successivement sur Embraer 312 Tucano à Salon de Provence, puis Alpha Jet à Tours. Elle est macaronnée le 28 mai 1998 et reçoit son brevet des mains du chef d'état-major de l'armée de l'air. Après la fin de sa formation opérationnelle, elle est affectée à Dijon, à l'escadron de chasse 22 Côte d'Or, qui met en œuvre le fleuron de l'armée de l'air française, le Mirage 2000-5. Elle devient ainsi la première femme pilote de chasse affectée en escadron de combat. Pilote opérationnelle, sous-chef de patrouille, puis chef de patrouille en 2004, elle participe à de nombreux exercices internationaux et aux missions de permanence opérationnelle
dans le cadre de la posture permanente de sûreté qui garantit la souveraineté de l'espace aérien français. Elle prend le commandement de l'escadrille SPA 57, la Mouette, en 2005. Parachutiste, sportive émérite, qui cumule de nombreux titres en triathlon nationaux et internationaux, Caro, le moineau, est toujours en quête de nouveaux défis. Elle ambitionne de devenir spationaute et de postuler à l'Agence spatiale européenne. Pour arriver à ses fins, elle passe le concours de l'école du personnel navigant d'essai et de réception, l'EPNER, et reprend des études de russe et de physique. Elle rencontre Claudie Aigneret, première spationaute française, que nous entendrons juste après, et vise la phase de sélection des futurs astronautes prévue en 2008 à Cologne. Fauchée dans son élan, elle apprend en février 2007 qu'elle est touchée par une terrible maladie alors qu'elle porte la vie. N'écoutant que son courage et refusant de se laisser abattre, elle n'abandonne pas pour autant tous ses projets. Elle continue même sa thèse en caléfaction. Malgré un pronostic impitoyable et malgré les conseils médicaux, elle décide de poursuivre sa grossesse. Héroïque jusqu'au bout, elle gagne son dernier combat en donnant naissance à son deuxième fils Gabriel. Caroline nous quitte le 21 août 2007. Elle totalise près de 1600 heures de vol, titulaire de la médaille d'or de la Défense nationale et de la médaille de l'aéronautique. Cette grande dame du ciel, à la volonté hors du commun et à l'intensité humaine exceptionnelle, a, par son parcours, glorifié les ailes françaises. Celle qui a ouvert la voie en devenant la première femme pilote de chasse affectée en escadron de combat demeure un exemple qui continue à inspirer les générations présentes et à susciter des vocations. Elle nous lègue un souvenir impérissable. Excusez-moi. Bonjour à tous, mes chers amis. Merci d'être toujours là. Merci à tous les amis qui sont là tous les ans pour remettre cette gerbe et ce bouquet de fleurs sur la rue de Caroline Aigle. Caroline, cette grande dame. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour penser à elle, Caroline Aigle. Cela fait maintenant 15 ans qu'elle nous a quittés. Elle est née à Montauban le 12 septembre 1974. Elle est partie le 21 août 2017. Elle n'avait que 32 ans. Caroline a été une élève brillantissime, maths sup, maths spé, polytechnique. La liste est longue d'être exhaustive. En 99, elle est la première femme pilote de chasse affectée au sein d'un escadron de combat. Elle a passé 7 ans aux commandes du Mirage et totalisait, comme nous a dit le colonel Crossono, 1600 heures de vol. Caroline voulait devenir astronaute. Grande sportive, elle pratiquait la chute libre aussi. C'est moi d'ailleurs qui ai son parachute à la maison. Je le mettrai peut-être au musée de Caroline Aigle. Caroline, le matin tôt, elle partait courir. Aucun garçon ne pouvait la rattraper. Et elle disait, je suis bonne pour courir, mais je suis encore meilleure en natation. C'était une force de la nature. Il faut dire que Caroline a été sa miste. Elle était entraînée par Jean-Jacques Boucher, qui aujourd'hui a un petit problème de santé et regrette beaucoup d'ailleurs de ne pas être là. Mais comme cette cérémonie est complètement filmée, il va pouvoir en profiter comme nous. Caro, il disait, c'est la tête et les jambes. Caro, c'est un modèle pour toutes les femmes, une jolie épouse et une maman magique. Comme disaient ses enfants, notre maman, elle est magique. Elle a 32 ans. Lorsqu'elle apprend le diagnostic de son cancer, elle se sait alors comme condamnée. Enceinte, comme disait, je vais répéter un peu, mais c'est dans mon texte. Enceinte, les médecins lui demandent d'arrêter sa deuxième grossesse. Caro, ça va pas du tout. Mais comme elle se sait condamnée, excusez-moi.
C'est une porteuse de vie, Caro. Elle refuse et veut laisser la chance à son enfant. Elle donne naissance donc à Gabriel, qui, ce petit Gabriel, ne pesait que 890 grammes. À 5 mois et demi, elle a eu une césarienne. Son deuxième enfant a tout juste quelques mois et elle meurt quelques jours plus tard. Mais elle l'a embrassé, elle l'a choyé, elle l'a tenu dans ses bras. Elle n'est partie qu'après. La disparition de Caro a suscité une émotion considérable. Tant elle était forcée, tant elle a toujours forcé l'admiration jusqu'à son dernier souffle de vie. C'est maintenant à travers ses deux enfants que Caro est toujours là. Peut-être, comme elle, rêve-t-il, pourquoi pas, la tête pleine d'étoiles, d'être astronaute. Quel destin tragique. Le prêtre qui a prononcé le sermon lors de ses funérailles, c'est l'abbé Philippe Demour. Il s'est lui-même interrogé face à l'absurde, à l'injustice la plus complète, qu'elle vienne de la folie des hommes ou qu'elle vienne de la maladie. Il y a la révolte pour tous, croyants ou non, déclarait-il. Mais pour Marc et Gabriel, ses enfants, leur merveilleuse maman, pour reprendre les termes de Christophe, son époux, elle est toujours là, présence, elle est toujours là, présence radieuse à leur côté. Aujourd'hui, le 23 août 2022, Caroline, cette merveilleuse héroïne des temps modernes, est avec nous et honorée à Mérignac selon la volonté de notre mère, Alain Anziani, que j'ai l'honneur de représenter. Je remercie du fond du cœur les autorités civiles et militaires, les amis de Caroline et mes amis de leur présence. En mémoire de Caroline, à qui j'offre ce bouquet, marquons ensemble un moment de recueillement et respectons une minute de silence. Merci. Chers amis, vous êtes à Mérignac et nous sommes réunis de cœur aujourd'hui autour de Caroline Aigle, en émotion et en respect. Nous partageons tous une grande admiration pour cette jeune femme exceptionnelle, et c'est un honneur que de dire quelques mots en son souvenir. Je me souviens encore très bien de la première fois où j'ai vu Caroline. C'était en 2007, dans mon bureau de l'Agence spatiale européenne. J'ai accueilli une jeune femme au visage d'ange, au regard clair, déterminé et au sourire confiant, qui venait échanger sur la carrière d'astronaute pour la sélection de l'Agence spatiale européenne de 2007-2008. Bien sûr, je lui demande de m'expliquer ses motivations et de me raconter son parcours. Et je suis allée de surprise en surprise, impressionnée par sa conviction passionnée, son intelligence rayonnante et ses compétences multiples de très haut niveau. J'avais bien sûr déjà reçu quelques visites de potentiels candidats, mais Caroline était de loin la plus impressionnante. Les Prussiens de Prytanée ont su garder le souvenir de son passage brillant au Prytanée National Militaire de la Flèche. Elle se forme ensuite dans cette école d'excellence et de rigueur qu'est Polytechnique et décide de servir dans l'armée de l'air. Elle est ainsi brevetée pilote de chasse sur Alpha Jet à la base 705 de Tours et reçoit son Macaron en 1999. Elle sera la première femme pilote de chasse à être affectée au sein d'un escadron de l'armée de l'air. D'abord à Orange, à la BA 115, puis à Dijon, à la BA 102, sur Mirage 2005. Le Moineau, puisque tel était son surnom dans l'armée de l'air, était par ailleurs une sportive accomplie, championne de France de triathlon, championne du monde par équipe, pratiquant aussi le parachutisme et la chute libre. Ce CV aurait presque déjà été suffisant en tant que tel pour candidater à cette aventure extraordinaire du vol spatial habité et tenter la passionnante et privilégiée carrière d'astronaute. Mais c'était mal connaître Caroline, qui a entamé dans la foulée une formation en astrophysique, l'apprentissage du russe, et elle était, quand je l'ai reçue, dans la rédaction de sa thèse de science réalisée dans un labo de calefaction. Ce germe de la candidature astronaute était bien présent depuis longtemps dans son esprit et elle s'y préparait avec la plus grande détermination dans une légitimité tous horizons. Je pense qu'elle aurait apprécié la transformation de l'armée de l'air en armée de l'air et de l'espace et elle y a toute sa place. La promotion 2018 de l'école de l'air, maintenant officiellement école de l'air et de l'espace, porte fièrement son nom.
À partir de ce moment, et comme nos horizons convergeaient vers l'aéronautique au-delà du spatial, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises en Bourgogne, entre Chambolle-Musigny, où elle habitait, et l'aérodrome de Darrois, à Dijon, où se déployait la patrouille Bretling, dont Douki, son mari, cher Christophe, était un pilier inébranlable. Marc, leur premier petit garçon, était là avec nous, joyeux et joueur. Les mois passent, dans l'enthousiasme de la préparation de son candidature et le partage de moments d'amitié enjouée, quand tombe la terrible nouvelle de cette maladie terrifiante qui va nous l'arracher en quelques mois. Caroline gère cette maladie, ses traitements, la grossesse de Gabriel, sa famille, ses amis, avec le même calme, le même sang-froid et la même empathie envers les autres, ce que nous apprécions tous tant chez elle. Douki est là, fort à ses côtés dans ces moments terribles. Sa famille, ses amis, jouent le jeu de la sérénité devant la force de Caroline. Nous aurions aimé l'aider davantage. Et en fait, c'est elle qui nous aide. Étonnante jeune femme, maman aimante, généreuse amie, belle et rayonnante, à l'écoute et pourtant inflexible dans ses résolutions, avec ce concentré de talent mêlé d'un engagement vers l'excellence, avec humilité, confiance et bienveillance, mais dans la détermination à assumer ses choix jusqu'au bout. Bien sûr, Caroline est un modèle, un exemple, un phare, une inspiration pour nous toutes et tous. Elle nous donne confiance en l'avenir et nous donne l'envie d'être meilleure. Elle aurait été une astronaute exceptionnelle si la vie lui en avait laissé le temps. C'est un bonheur de l'avoir connue. Je salue sa famille, ses enfants, Douki et ses proches avec amitié. C'est un honneur de pouvoir participer avec vous tous à ce moment de célébration d'une personnalité exceptionnelle qui nous manque tant, mais dont nous nous devons avec fierté de prolonger le souvenir et l'éclat. Qu'elle continue à inspirer la flamme de la passion de la vie, qu'elle nous donne l'audace d'ouvrir des voies nouvelles, qu'elle nous aide à viser la Lune pour explorer de nouveaux territoires. Une gratitude profonde, un immense merci à Caroline pour ce qu'elle a été et qu'elle continue à être. Une lumière pour nous. Pour Caroline, rayonnante étoile, je dirais simplement, comme le disent les astronautes, ad astra. Merci à vous tous, chère Caroline. Maintenant, nous allons écouter Arnaud Horeb au piano et Jean-Sébastien Hubert, le directeur du conservatoire de la ville de Mérignac, qui vont nous jouer la liste de Schindler. C'est une musique magnifique et je les en remercie infiniment.